Hey, salut les copains! Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Top là? Ouais! Pour vous présenter, oui, c'est bien. Pour vous faire un tuto assis couché, la patte et l'autre. Alors, pour ceux qui regardaient la chaîne Manonchou14, malheureusement, vous avez déjà vu cette vidéo, je suis désolée. Mais le problème, c'est que bah, vu qu'il y a des nouveaux sur cette chaîne-là et que cette chaîne-là est une toute nouvelle. Et ben on va le refaire pour que je puisse vous apprendre d'autres tours par la suite. Donc voilà. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin de friandises. Hop, que moi je mets donc dans une pochette comme ça qui se met autour de la taille. C'est vachement plus pratique. Moi je l'ai trouvé chez Decathlon. Ou chez Eversport, je ne sais plus, rayon escalade, parce que c'est ce qu'ils mettent, enfin c'est les pochettes pour le talc en fait à l'origine. Et d'un clicker, alors après, soit vous utilisez le clicker, soit vous n'utilisez pas, à la place du clic du clicker, vous pouvez dire oui, c'est bien, en sachant que moi je fais les deux et c'est pas bien du tout, normalement on n'est pas censé parler avec le clicker, hormis donner les ordres, sachez-le, voilà, moi je suis une mauvaise utilisatrice du clicker. Mais bon, c'est comme ça. Donc, eh ben, on va commencer tout de suite. Ah, un chat. Un chat, chat, chat. Oui, si vous entendez du bruit, c'est comme d'habitude. Hein. Là, on a des voisins super bruyants en ce moment qui sont juste au-dessus de nous et qui en plus ont des enfants. Et là, c'est les vacances scolaires. On adore. Donc voilà, allez. Maya. Debout. Assis. Maya, debout. Debout, assis. C'est bien bébé. Donc pour le assis. Recule. Là. Ah oui, alors assis. J'ai mis un tapis parce qu'en fait nous, chez nous, c'est du parquet et sinon elle glisse. Donc désolée, vous verrez pas ma tête quand je vous parle. Mais c'est plus simple pour que vous voyez Maya et ce que je fais avec elle. Assis, c'est bien bébé. Très bien. Très très bien. Donc pour le assis, donc il faudrait un chien debout, 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 tu attends, non, debout. Donc votre chien est debout, vous prenez la friandise et vous lui mettez pas dans la bouche comme je viens de faire. La friandise vient de me glisser des mains. Et vous lui amenez au-dessus de la tête et vous dites assis, assis. Oui, elle a pas compris, elle a cru que je voulais qu'elle fasse la belle. Tiens, c'est bien. Donc voilà, et vous répétez, alors là c'est le friandise dur, hop, vous, debout, hop, assis. Très bien. Voilà, bon moi c'est un peu compliqué vu qu'elle sait comment il faut faire. En fait, ce qui se passe, c'est que le chien part, alors je vais me mettre à votre hauteur parce que sinon j'ai l'impression de parler dans le vide. De nature, enfin dans le, de nature, quand il va lever la tête, il va venir s'asseoir en fait. Donc quand il est debout, il faut lui lever la tête, donc avec la friandise, toujours, toujours méthode positive s'il vous plaît, pas de trucs comme ça ou de trucs j'appuie sur les fesses s'il vous plaît. Oui, j'ai aussi oublié de préciser au début de la vidéo, je ne suis pas professionnelle, je suis monitrice canin dans un club, donc je connais, enfin pour l'instant je suis stagiaire monitrice, je connais pas mal de choses, mais je ne suis pas professionnelle. Il se peut qu'il y ait des professionnels qui vous disent autrement. Nous, dans mon club, on utilise la méthode naturel, donc c'est à dire la nourriture. Avec la nourriture on peut faire ce qu'on veut à notre chien. Top là, non, top là, top là, top là, top là. Oh c'est bien. Voilà, elle voulait la friandise que j'avais dans la main. Voilà, ça c'est pareil hein. Ne jamais donner une friandise à un chien sans aucune raison, même les dentastiques. Maya viens ici. Même les dentastiques c'est tout, bah moi je sais que c'est couché, couché à ta place. Elle a le dentastix quand elle est couchée à sa place. Ne jamais donner une friandise comme ça par simple présence d'esprit. Toujours lui demander un petit truc, même si c'est juste un si, un coucher. Pour un chien qui a l'habitude, c'est. Voilà, c'est normal. Mais voilà, vous lui avez demandé quelque chose, il a fait ce quelque chose, il a le droit à sa friandise. Voilà. Donc, toujours dans la méthode positive, vous prenez la friandise, vous le mettez au-dessus de la tête, elle va s'asseoir, c'est très bien. C'est le bonnet pipi. Voilà. Alors après, viens. Tourne. Face à moi, assis. Maya, couché. Voilà. Maya. Assis. Maya, assis.
Très bien. Maya couche. Très bien. Donc, pour le coucher, on va partir du assis, s'il vous plaît. Hein. Ne lui demandez pas de se coucher tout de suite du debout. Ma chaîne sait le faire. Maya, debout. Maya, debout, debout, debout. Coucher, coucher. Voilà, c'est bien. Voilà, là vous n'avez pas vu parce qu'elle ne s'est pas mise dans le champ. Mais, bien. Mais évidemment, pour un chien qui apprend assis, il faut partir du assis. Donc, pour partir du assis, vous prenez la friandise devant le nez et vous allez faire un arc de cercle comme ça. Coucher, coucher, coucher. Voilà, jusqu'en bas. Voilà. Surtout, ne prenez pas. Maya, assis, assis. Allez, assis. Non ? Assis. Surtout, ne faites pas comme ça parce que le chien va se lever. C'est vraiment assis comme ça, vers le bas. Couchez. Très bien. Voilà, si vous tirez vers vous, le chien va se mettre debout. D'ailleurs, si vous voulez lui apprendre le debout, c'est comme ça. C'est vous prenez la friandise, vous tirez vers vous, il va se mettre debout. Mais pour l'instant, on n'est pas là pour le debout. On est là pour le assis couché. C'est très bien, ma fille. Pan ! Ouais ! Bon, le pan, c'est pas encore ça chez elle, mais elle a un temps de réaction. Elle regarde, l'air de dire c'est bien ça. Bon, on n'est pas là pour ça non plus. Maya, tu viens ? Voilà. Donc, pour le assis, mon gars. Oui, c'est bien, ça c'est après. Mais c'est bien, t'as pigé ce qu'on allait faire dans la vidéo. Donc voilà, donc pour le coucher, vraiment bien, la friandise comme ça, et vous l'amenez à terre, couché. Et voilà. Et vous cliquez, vous vous dites c'est bien. C'est très bien, mon chien. Allez, assis. Maintenant. La patte. Ouais, la patte. Non, la patte. Ouais. Très bien, mon chien. Donc pour le la patte, c'est très simple. Vous allez prendre la friandise dans votre main. Vous allez fermer votre main. Et vous allez mettre votre main comme ça. Voilà. Et le chien va venir chercher. Et dès qu'il pose sa patte sur votre main, vous lui dites la patte. La patte. Très bien. Alors là, il ne comprend pas. Il dit pourquoi on refait de l'apprentissage. La patte. Très bien. Voilà. Donc il n'y a rien de plus simple, en sachant que votre chien va mettre du temps à comprendre. Hein. Il y a des chiens, tout de suite, ils vont mettre la patte dessus. Et il y a des chiens, moi je suis restée pendant 10 minutes comme ça, la première fois que je l'ai appris. J'ai cru, j'avais la main plein de balles. Elle essayait avec sa bouche, elle n'a jamais voulu essayer avec sa patte. Top là, ouais. Elle n'a jamais voulu essayer avec sa patte. Et à un moment donné, je lui ai juste fait ça sur la table, je lui ai juste tapoté la patte. Et elle a dit, ah, c'est vrai que j'ai une patte, et paf, elle a mis la patte. Ça, c'est très très bien, gna gna gna, hein. Tu te lèves, assis, assis, allez, assis, c'est bien, mets-toi mieux. Alors par contre, oui, c'est pareil. Ah, vous n'allez pas voir, mais là, elle est un peu assise sur le côté. Ne demandez pas à votre chien, par exemple, de faire un label quand il est assis comme ça. Vous le reprenez, Maya debout, debout, assis. Voilà, il faut qu'il soit très bien assis, bien droit, parce que sinon, ça ne sert à rien. De lui faire par exemple un la patte, l'autre ou quoi, c'est strictement débile. Maya, l'autre. L'autre, oui. Maya, l'autre, non. Non. Non, l'autre, oui. Très bien, bébé. Super. Alors pour l'autre, c'est tout simple. C'est tout simple. Et ben, vous faites la même chose de l'autre côté. L'autre. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Oui, ça c'est la patte. Oui, parce qu'en fait là, ce qu'elle comprend pas, c'est que d'habitude, on fait la patte. L'autre. La patte, c'est bien, la patte, l'autre, la patte, la patte, l'autre, la patte, la patte. Ouais, bravo, bébé. Tu fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.